Ben, aujourd'hui, en fait, ce week-end, ça devait être un beau week-end de vide-grenier, avec notamment deux villes qui étaient, que je connais, qui a souvent des grands vide-greniers et plein de choses. Hélas, le temps et je sais plus trop quoi, fait que j'ai pas trouvé grand-chose, et du coup, je me suis forcé à acheter des merdes. Et finalement, pour beaucoup trop cher, genre ce jeu, voilà, complet. Bon, Inspecteur Gadget, j'aime bien le dessin animé, mais bon, 3 euros pour ça, c'est un peu, c'est pathétique. Ensuite, ce jeu où il manque la jaquette avant, pareil, 3 euros. J'ai même pas cherché à marchander le mec, mais bon. Et après, il y avait un jeu où c'était que le boîtier arrière de Populous 3D. Mais le jeu c'était Bust Move 4, mais j'avais déjà Bust Move 4 boîte notice. Il me manquait le CD, donc c'était 1 euro. J'ai pu compléter la chose. Ensuite j'ai trouvé ceci pour 10 centimes ou 20 centimes d'euros. J'ai vraiment pris parce qu'il y a marqué Sega, voilà. On sait un truc de McDonald's, mais il marche encore. Et on allume derrière. Voilà, il marche. Donc là c'est le mode bonus du, je crois, du Sonic 2. Vous voyez à l'écran, hop, il va là. C'est pas très clair, hein, notamment au niveau à la distance. Bon, heureusement qu'il y a le petit bruit qui nous dit, bon bref, vous avez vu, 10 centimes d'euros cette merde, mais c'est du Sega. Et le truc à la fin où j'allais partir, j'ai refait un tour. Et en fait je tombe sur ça, je sais pas pourquoi j'ai vu. En fait, dans une boîte à chaussures et plein de vieilleries antiquités, j'ai vu une manette Dreamcast, mais de marque Mad Catz. Je l'ai pris. Et puis il y avait ça. Et puis je me suis dit, tiens, Sackboy, qu'est-ce que c'est? Et regardez-moi ça. Bon. C'est un jeu LCD qui fait aussi. Qu'on appelle ça, bon, calculatrice. Il marche avec deux piles. Bon, il y avait les deux piles, mais j'en ai mis des neuves et ça marche pas. J'ai même réussi à ouvrir à l'intérieur, parce que c'est des vis normales. J'ai pas vu de faux contact, j'ai pas trop compris quel était le problème. Donc c'est dommage. Et en plus, il y a même le film plastique en plus qui est resté collé là pour de protection. Donc c'est Sackboy de Sakitron. C'est un truc allemand, des années 80, peut-être 82. Donc ça, 2 euros. Et la manette 2 euros aussi, mais bon, la manette c'était parce que je voulais revendre une Dreamcast que j'avais trouvée seule à 1 euro, donc là c'est pour me rembourser par la suite. Et aujourd'hui, bon, ben, il y avait un vide-grenier à Pampelune avec la pluie, et puis je suis arrivé trop tard, il y avait trois exposants, il n'y avait rien. Et puis je suis retourné dans une braderie où l'autre fois je vous avais dit, ben, j'avais trouvé la Dreamcast à 1 euro. Et là, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu pour à peine 4 euros. Alors, il y a beaucoup de merde, mais bon, c'était 4 euros. Et puis, j'ai pris vraiment. Je vous dis, c'est quand il n'y a rien, on se tape 2 heures de bagnole pour rien du tout. Mais allez, 4 euros, quoi. Donc, ça, voilà. Le Johanna, non. Johanna du Hoft. Jonal au mur rugby. Alors, c'est le dos. Mais le CD, c'est un CD gravé de musique 2000. Donc, ça, j'en ferai rien. Ce CD gravé, c'est pour avoir une espèce de boîtier. Il y avait ce jeu-là par contre, Team Theme Park complet. Bon. Le CD pas trop rayé. Bon voilà, je l'ai pas celui-là complet. Ça peut être sympa, Team Park. Hein. Après, Roland Garros 2001. Alors j'aime le tennis, mais c'est les jeux comme ça, les jeux Roland Garros, je pense que c'est de la belle merde. Alors il manque la jaquette avant et la truc, mais. C'était le foutoir, quoi. Pareil, allez, regardez-moi ça, j'adore ça. Vous avez que la jaquette de V-Rally, mais vous avez Tomb Raider 3. Bon. Ça pourra toujours servir. En plus, ah, le CD n'est pas du tout rayé, ça peut aller. Ah, ensuite, qu'est-ce que j'ai eu pour 4 euros? Donc, c'est 3 faux jeux. C'est déjà pas mal. Après, ben, j'ai trouvé Tails. Voilà, comme ça, maintenant, j'ai les deux. Alors je sais pas si c'est les trucs Madonna, s'il y avait un troisième, s'il y avait peut-être le truc de Knuckle. Toujours dans le truc 4 euros, j'ai trouvé voilà le petit Dark Vador. Et alors là il y a des piles, parce qu'il y a un truc, mais je sais pas où il faut appuyer. J'ouvrirai avec si jamais c'est les... Ouais c'est... Ah non merde. C'est les vis à 3 là, comme les trucs de Super NES là, putain. Parce que j'aurais bien voulu voir les bruits qu'il allait faire, qu'il allait produire.
excusez-moi. Dans le lot à 4 euros, il y avait une manette NES, qui peut toujours être pour revendre. Dans un lot avec une console, bon là c'est juste ça qui est abîmé, ça c'est emmerdant. Mais bon, ça permet peut-être de revendre un lot. Un casque bien vintage, à mon avis, ça peut marcher. Hein. C'est les casques de maintenant, je trouve qu'ils ont un son trop métallique, c'est affreux. Là, il y a des chances. En plus, c'est le truc qu'on peut ressouder. Tranquille, mec. Ah non, d'ailleurs, ouais, ils ont dû vendre parce que c'était ouvert là. Donc, si ça marche, je vous dire que ça, c'est du très bon son. BST 8, je sais pas quoi. Voilà. Ça vaut dans les 30 euros en vrai, même dans les cash. Après, une manette, toujours pour 4 euros le lot. La manette PS1 ou PS2, mais avec ça. Lui est cassé, mais je vais l'ouvrir. Et de toute façon, on l'utilise rarement hein, dans les jeux PS1, celui-ci. C'est pour avoir une manette PS1, voilà. Bon. Je vais l'ouvrir, on verra ça. Et en dernier, ça sert à rien. Une GameCube. Alors. Si on voit, là la lentille a l'air un petit peu... elle bouge là. Bon. Peut-être que ça c'est plus de peur que de mal, je vais ouvrir ça. Là, on voit qu'il manque... ça me fait bizarre, hein, il doit manquer quelque chose. Dans le pire des cas, si elle marche pas, je vais tout ouvrir, j'enlève tout. Et ça me fera une boîte de rangement, comme un coffret, vous savez, les coffrets Hello Kitty. Ça peut toujours servir, hein, c'est toujours... celle-là, si elle est argentée, on peut toujours récupérer juste pour avoir une boîte. Voilà. On fait la boîte, on met le Dark Vador, voilà, ça sert à rien. 4 euros, toutes ces merdes là. Bon. C'est pas. Hein. Quand il n'y a rien, hein. Quand ça veut pas, c'était pas le bon week-end. Quand ça veut pas, ça veut pas. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Qu'est-ce que vous en avez à faire. Je vous dis à plus mes plus pour un prochain vide-grenier.